interpeller la ministre du droit des femmes sur un sujet grave. Madame, dans votre lecture partielle et partiale de notre histoire, vous oubliez que la France est certainement l'un des pays qui a le plus accordé de libertés aux femmes. Depuis quelques années, les différents gouvernements français revendiquent leur prétendu féminisme. Ils engagent des luttes en faveur de la parité et instaurent des quotas, lancent des débats aux thèmes variés mais souvent inintéressants. Ce faisant, ils réduisent le quotidien des Françaises à une histoire de partage des tâches ménagères. Ces combats de féministes bobos passent à côté des vrais sujets. Aussi, au lieu de toujours gémir comme vous sur les détails de représentation, nous vous demandons aujourd'hui, nous, les filles de France, de prendre en compte la terrible réalité des Françaises souvent passées sous silence. 200 viols par jour, 198 000 tentatives chaque année, 7% des Françaises violées et seulement 2% des violeurs condamnés. Voici l'état des lieux de votre action, ou plutôt de votre coupable inaction. Pendant que l'on discute de la couleur des jouets en classe maternelle au nom de l'antisexisme, les droits les plus essentiels des filles de France s'amenuisent dramatiquement. Quand un gouvernement a eu le courage de nous donner le droit de vote, ceux d'aujourd'hui ferment les yeux quand on nous refuse le droit de vivre. Pour beaucoup de femmes, la peur est devenue le quotidien avec lequel elles doivent vivre. Nous sommes les proies régulières de l'ensauvagement d'une nation et vous ne faites rien et ne voulez rien voir par idéologie. En nous délaissant à la furie des récidivistes, en fermant les yeux sur les débordements communautaristes, en donnant toujours des excuses aux voyous mais jamais de réconfort aux victimes, vous trahissez votre mission à notre égard, nous les filles de France. Ces viols détruisent tous les jours des jeunes filles qui n'avaient rien demandé et les violeurs sont souvent bien condamnés à des peines minables. Sans parler du pourcentage des violeurs condamnés, 2%, victimes. Tous les jours, nous subissons des agressions, des menaces et des insultes dans la rue ou dans le métro. Pas une fille de France qui ne soit aujourd'hui jamais fait traiter au moins une fois de pute ou de salope dans la rue. On ne vous voit jamais hausser le ton quand nous sommes insultés de chaînes par des caïds qui imposent leur loi clanique dans certaines cités délabrées. Comment se fait-il que les Françaises doivent aujourd'hui subir toutes ces brimades et privations de liberté sans ne jamais rien dire? Cette insécurité grandissante trouve ses causes dans l'ensauvagement de notre pays que vous accompagnez par votre laxisme. Nous venons aujourd'hui revendiquer nos droits. Par notre action, nous voulons dénoncer l'idéologie, la lâcheté et la démagogie d'un gouvernement qui ne protège plus les femmes. Nous demandons au gouvernement et en particulier au ministère des droits des femmes de s'occuper urgemment de la première liberté à laquelle les filles de France ont droit, la sécurité. Le Parlement national de la jeunesse, sous la direction de Marine Le Pen, et de sa présidente, femme politique mais avant tout femme, demande publiquement des tests au gouvernement de notre nation, qui menace en tout premier lieu les filles de France. Avant toute chose, nous demandons au gouvernement, ainsi qu'à toutes les féministes officielles qui soutient, de prendre en considération les souffrances et les peurs que nous vivons, nous, aujourd'hui, filles de France. Halte à la posture. Le vrai féminisme dont nous avons besoin, vraiment, aujourd'hui, celui qui nous permettrait de vivre sereinement dans notre propre pays. Le vrai féminisme, c'est la défense des Françaises. Le vrai féminisme, c'est de défendre notre premier droit, notre sécurité.